Hello la team, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, moi c'est Nal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis encore une fois à Londres parce que j'ai rien à faire d'autre en fait. J'avais besoin de vacances et voilà quoi. Donc juste avant j'étais en Écosse, donc là ce sera un vlog sur Écosse et Angleterre en fait. Enfin voilà, hey, vous avez capté. Parce que vous savez, ils ont des disparités de bref, on va pas se lancer dans ça. On va dire on va en haut et après on va en bas. D'accord. Bon, je me suis fait les ongles ici. Je me suis bien fait fucking arnaquer parce que la dame m'avait dit 40 pounds. Ouais, à la fin elle me dit ouais ça va faire 100 et tout. Donc là, j'ai payé 100 balles. J'ai fortement la rage. Mais bon, ça va m'apprendre. Oh, ouais. En tout cas, là, je vais faire le tour des thrift stores. Donc des thrift parce que. Pas parfaitement. J'espère trouver ça ici. Someone is singing there and he's singing. Bref, après tout ça, je retourne à mon hôtel pour faire le check-in. Et voici le quartier. Here's the hotel. Donc je suis au 9e étage. Et je peux enfin avoir ma chambre. Franchement, l'hôtel il a l'air super beau. J'espère ne pas être déçue. Nous allons découvrir ensemble. Alors, donc chambre 919. That way. 916. That way. 918. 919. So that's my room. Donc, voici la chambre. Very cute. Et la salle de bain, parfait qu'il y ait une baignoire parce que j'ai envie de prendre un bain. Hey. Oh, franchement, c'est cool, c'est cool. Je vais pouvoir pleurer en silence, j'adore. Bon, ça c'est la vue de mon hôtel, je suis au 9e étage. C'est pas une vue de ouf, hein. Anyways. Ok, donc comme je me sens pas super ouf, enfin j'allais dehors pour acheter un truc, mais j'ai préféré commander de la bouffe. Donc là, j'ai pris Jamaica, et ça c'est du jerk chicken, rice and peas, et des mac and cheese. Ça m'a fait genre 19 pounds, donc 22 balles, parce que j'ai commandé, et puis voilà. Et ils ont oublié de me mettre des couverts, donc je mangeais avec la cuillère, tant pis. Je vais vous faire un bail à la mukbang. Hey, mac and cheese. Oh my god. Ça a l'air tellement bon. Je suis sûre que ça va être épicé et que je vais fortement regretter mes choix. Voilà. C'est surtout les mac and cheese que j'ai peur qu'ils soient pas ouf. Parce que bon, les Jamaïcains font pas les mac and cheese comme les Américains. Enfin, la dernière fois, il était un peu sec en fait. On va voir. Je suis pas mou. Par contre, il y a plein d'huile. Hein. Purée. En dessous là. Bon, je vais arrêter avec le mac and cheese et on va attaquer l'autre. Je suis sûre que ça va être épicé. Donc, rice and peas, et il m'en met un peu de banane plantain. Je sais pas si on va bien, j'ai pas envie de le faire tomber. Et voilà. Je sais que la sauce est plus claire.
Mais si elle pique pas, c'est parfait pour moi. C'est pas le moment de me salir. J'ai rien dit, elle pique. Bon, le jerk chicken, c'est avec les mains. Parce que vu que j'ai pas de couvert, moi j'ai pas le temps. Donc, let's go. Ça pique, mais c'est bon. Donc voilà. Et là, je vais aller bruncher. Je vais toute seule, hein, encore une fois. Je vais toute seule. Donc, je vais aller bruncher et après, je vais aller continuer de visiter Londres, même si je connais déjà Londres. Mais bon, on va aller se balader, voir quoi faire pour s'occuper. Hein. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et voici à quoi je ressemble aujourd'hui. Mignonne, hein? Donc voilà, petit haut, hein, petit pantalon. Puis petit sac. Hein, et ma petite veste. Et je vais peut-être prendre une écharpe aussi. Petite veste. Et puis voilà, comme ça que je sors en fait. Voilà, voilà. Tout en rose, comme un bonbon. Comme un bonbon. Voilà, si je prends une écharpe, mais ça va faire un peu dégueulasse l'écharpe. Hein. Bref. Voici le temps qu'il fait dehors. Oui, c'est gris. Donc voilà. Ça fait très joli sur ma peau. J'adore. Avec les ongles qui m'ont coûté cher là. Putain de merde. Alors, on va à Greenwich, au Royal Observatory. Ça m'a fait sortir un arrêt, je sais pas où. Voici le chemin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça là-bas. Où est-ce que je trouve l'entrée? Wish me luck. J'ai trouvé l'entrée. Ok, donc on va passer sur le côté, mais déjà la vue. Voilà, hein, si c'est comme dans mes souvenirs. Hein. Parce que déjà là-bas ça a changé. Parce que. Ça n'a pas changé. C'est pas la seule place où je vais trouver un fan ugly here. Why is there police everywhere? I'm tired. That's where door I put the... Ok, j'arrête. Bref. On a vu sur la city, tiens. Ah non, je sais plus si elle va là. En tout cas, ouais, il y a du haut tout. Anyways, let's go to Queen's Walk. Je crois qu'on va aller là-bas demain au Charles. À voir si c'est proche de Queen's Walk. Toujours à des endroits improbables. Anyways. Donc ça c'est le bateau le plus vieux d'Angleterre apparemment. Dans un petit monde. Anyways. Allons voir la petite vue là avant d'aller à Queen's Walk. Here
là. Hein. C'est beau. I don't know where I am, but it's cute. Ok, donc voici. Ah, je souris. Le Millennium Bridge. Et juste en face, il y a le Tate Modern. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais allée là-bas. La dernière fois et tout, on est allé de ce côté-là vers le London Bridge. Et là, on va faire l'inverse. Après, ça va passer devant City Hall et tout ça. Donc voilà, c'est parti pour la petite balade de la journée. Et puis après, on va manger chez quelqu'un parce que voilà. Qu'est-ce que c'est moche! Donc on est sur le pont. Avec ces voitures, on va aller. Hein. Qu'est-ce qu'il est moche. Hein. Il a vraiment pas changé.